Gédéon. Gédéon. Distribuer des petits cadeaux. J'avais promis pour son. C'est ça, c'est ah, je désespère. Parce que j'ai pas la chance de voir madame souvent. Je lui donne tout ma tête. Ok. On a essayé la première fois pour moi. La première fois que vous faites du yoga? Oui. Ok. Vous savez c'est quoi le but du yoga? Ça va être la fin. Vous aider à la bien. Exact. Exact. Le mot yoga veut dire union. Union de nos pensées, union avec nos pensées, union avec soi-même, union avec l'environnement. Le mot yoga, ça veut dire union. Donc le but du yoga, c'est de retrouver cette union avec nous-mêmes. Donc le yoga se divise en différentes étapes. Il y a 8 étapes en fait dans le yoga. Les exercices physiques, les méthodes de respiration, l'analyse de soi, l'introspection, les aspects méditatifs, la méditation, les méthodes de respiration. Donc on divise en 8 étapes. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyayama, dharana, dhyana, samadhi. Ok, en commençant les prêts, les 8, on ne va pas s'arrêter trop dans la technique, on va passer à l'exercice. Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus dans la pratique que dans l'exposé. Yama, niyama, c'est ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Dans le yoga, c'est comme dans toute chose, si vous voulez réussir dans un domaine ou dans un autre, il y a toujours une règle à suivre. Pour le succès. Si vous faites l'opposé, ben c'est l'échec. Alors, dans le yoga, c'est la même chose. C'est qu'il y a des règles, des observances à suivre. Parmi les yamas et les niyamas, il y a des observances de base, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas manger. Ça, c'est des choses de base qu'on doit respecter en tant que pratiquant. C'est des choses qui font partie de l'éthique. Donc, les yamas et les niyamas sont cet aspect d'éthique qui doit être fait, qui doit être évité. Ensuite, yama yama asana. Asana, ce sont les exercices physiques. C'est pas nécessairement aussi avancé que ça, là, mais ça peut être les exercices de asana. Donc les exercices asana. Ensuite, pranayama. Pranayama veut dire les méthodes de respiration. Donc, les différentes méthodes de respiration qui ont pour but de rééquilibrer notre personnalité, de nous permettre de retrouver un équilibre avec notre organisme, puis de permettre de gérer le prana. Le prana, c'est cette énergie vitale qui est en nous, qui quelquefois, quand elle est en déséquilibre, ça va créer du stress ou des maux de tête ou des maladies quelquefois. Donc, yama. Niyama, asana, pranayama, exercice de la respiration. Pratyahara, le retrait des sens. Apprendre à. On est toujours là. On est toujours quelque chose. Là, quand on a bien, on s'en va magasiner. Hein? C'est fou, ça prend un stimulant. Donc, pratyahara, c'est apprendre à retirer nos sens, comme une tortue. Une tortue retire ses sens. Donc, on retire nos sens vers l'intérieur. On apprend à se diriger vers l'intérieur, pratyahara. Ensuite, dharana, l'introspection, l'analyse de soi. Donc, réfléchir, analyser. Pratyahara, dharana, dhyana, la méditation. On a médité. Et samadayo, ou samadhi. Le samadhi, ça c'est le résultat. Le samadhi, c'est pas quelque chose qu'on pratique, c'est quelque chose qui est un bonus de votre pratique. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle les gaïs dans le terme plus concret. J'aime pas utiliser le mot illumination parce que ça fait peur. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Hein? Les gens utilisent mal le mot illumination. Souvent, le mot illumination est utilisé
après qu'il est arrivé de quoi de dramatique dans, dans la société, ils vont dire un illuminé, mais un illuminé n'agit pas comme un être ignorant, il agit de façon illuminée. Jésus, c'est un être illuminé, Mahomet, c'est un être illuminé, tout ce qui est de la tête, c'est des êtres illuminés, les saints, les sages. En tant qu'un illuminé, c'est pas quelqu'un qui se fait illuminer. Donc, un illuminé, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est conscient de sa nature. Les gens utilisent des mots illuminés comme s'ils venaient d'un autre monde. Mais en fait, tout le monde peut devenir illuminé. Tout le monde peut s'éveiller à sa nature et retrouver cette pleine harmonie, cette pleine équilibre avec soi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand l'individu retrouve l'équilibre avec lui-même et qu'il est capable de vivre dans cette conscience de félicité, de bonheur, à ce moment-là, on dit qu'il a atteint l'éveil. Donc l'éveil, c'est qu'il est pleinement conscient de sa nature. Donc dans ce sens-là, il sait qu'il est ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Il est quoi? Unique. Mais il est quoi? Énergie. Il est plein de félicité. Vous êtes là, vous avez tous oublié. Vous êtes félicité. Vous êtes votre nature, elle est sale. C'est un endroit. Pleine conscience, vous êtes. Pleine félicité, vous êtes. Et éternel, vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes là. Quand vous retrouvez cette conscience de votre nature, vous vivez ce que vous êtes, cette félicité que vous êtes. Vous êtes pleine conscience. Pourquoi? Pouvez-vous me dire qu'il y a un moment où vous n'êtes pas conscient? Donnez-moi un moment où vous n'êtes pas conscient. Mais la nuit, vous l'avez. Vous voyez des images, vous êtes conscient. Quand vous mourrez. Comment vous dites? Quand vous mourrez. Vous allez être encore conscient. Mais plus du monde physique. Vous allez dans une autre dimension. Vous êtes plein de conscience à tout moment. Exemple, quelqu'un qui perd connaissance. Souvent, vous entendez dire, ah, il était dans le coma, il a perdu connaissance. Là, souvent, les témoignages, c'est j'étais bien dans cet état. Je me sentais bien. J'avais l'impression que le temps n'existait pas. Si vous n'avez pas été conscient, comment vous auriez pu rapporter ce témoignage-là? Donc, ils ont resté conscients. Mais ils étaient plus conscients du monde physique environnant, comme quand vous vous endormez, vous ne perdez pas conscience. Vous perdez la conscience de l'environnement physique immédiat, mais vous êtes encore conscient. Un malade qui est dans le coma est conscient. Il entend des voix. Il pense, il réfléchit en lui-même. Mais il n'est pas conscient de l'environnement immédiat, mais il est conscient en lui-même. Vous comprenez? Vous êtes toujours conscient. Vous êtes plein de conscience. Il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas cela. Et le but, c'est de retrouver la conscience de cette conscience, devenir conscient de notre conscience, va nous mener à la félicité. Mais tant qu'on n'est pas pleinement conscient de cette... La félicité, ça veut dire... La félicité, c'est votre nature, la joie, la satisfaction, tout ce que vous cherchez à accomplir dans ce monde, il est dans vous. C'est ça la félicité, cette joie immense qui dépasse tous les mots, que les poètes ont essayé de décrire sous toutes ses formes, à travers les écrits ou à travers les poésies, pour essayer de transmettre cette expérience. Jésus, avec ses mots, a essayé de transmettre son expérience intime. Il est allé jusqu'à sacrifier sa chair pour essayer de faire comprendre aux gens qu'ils étaient cette félicité. Il a sacrifié sa chair pour essayer de partager. Mais les mots sont limités. Il faut la vie. Puis quand on dit félicité, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un état en tout temps en félicité ou on peut être juste comme des périodes en félicité? La question est bonne. La félicité, comme c'est votre nature, il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas être félicité.
Quand vous ne le goûtez pas, ça dépend de la conscience que vous en avez. Au début, quand vous commencez à prendre conscience, vous allez goûter cette félicité de façon partielle. Tantôt vous allez la goûter, tantôt vous allez la perdre, tantôt... Jusqu'à ce que la conscience soit pleinement acquise de cet état. Où là, ça va comme votre ombrage vous suit partout. Votre ombrage vous suit partout où vous allez. Que vous soyez au soleil ou que vous soyez à l'ombre, l'ombrage est toujours là. C'est juste que d'un côté vous ne la voyez pas et de l'autre vous la voyez. Mais comme c'est votre nature, la félicité, il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes là. C'est juste que vous êtes partiellement conscient de cela. Et étant partiellement conscient, tantôt vous le vivez, tantôt vous ne le vivez pas. Pourquoi? Parce que l'illusion vient voiler votre conscience sur votre vraie identité. L'illusion de penser qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on va devenir ceci. Pourquoi devenir ceci quand vous êtes déjà? Il s'agit juste d'en prendre conscience. Et tout est là. Mais on veut devenir. En s'identifiant à l'environnement, on croit que dans le devenir, on va acquérir quelque chose. On va finir par atteindre une satisfaction. Santosha, qu'on appelle. Santosha veut dire plein de satisfaction. On croit que dans le devenir, il va s'accomplir quelque chose, alors que tout est déjà accompli. Il s'agit juste d'en prendre conscience. Alors, quand vous êtes la félicité, je vous donne un exemple. Quand vous prenez conscience de cela, c'est comme vous êtes dans une pièce, supposons, je suis dans la pièce ici, puis il fait noir. Une fois que vous avez pris conscience de cela, de façon plus simple, je suis dans la pièce ici. Si je suis conscient que ma nature est félicité, je le goûte ici. Si je sors à l'extérieur, je le goûte encore. Si je le goûte ici, puis je ne le goûte plus à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose là. Qui n'est pas complètement réalisé, conscientisé. Et il y a des gens qui vont penser qu'à tel endroit, ils sont plus heureux que s'ils étaient à tel autre endroit. Ils pensent qu'ils sont plus heureux à la maison qu'au travail. C'est une illusion. Le bonheur, c'est vous. Alors donc, tout comme votre ombrage, il vous suit, c'est à vous d'en prendre conscience et de vous harmoniser avec ce que vous êtes. Mais si vous n'êtes pas pleinement conscient de votre nature, vous allez croire que l'extérieur, de l'extérieur vient votre condition de bonheur. Vous allez croire que le bonheur vient de l'extérieur. Donc, quand on va vous placer dans un décor différent, vous allez avoir l'impression de ne pas être heureuse. Dans un autre décor, vous allez sentir que vous êtes plus heureux. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas pleinement conscient. Si vous êtes pleinement conscient de votre nature en tant qu'individu, il n'y a pas un endroit où vous n'êtes pas dans ce bonheur, puisque vous êtes là. C'est comme si je prends une lampe de poche. J'allume la lumière dans le noir. Partout où je vais aller, ça va éclairer. Partout. Il n'y a pas un endroit où je ne repousserai pas les ténèbres. Alors donc, la même chose, une fois que vous êtes conscient de votre nature, il n'y a pas un endroit où vous ne pouvez pas vivre ça. Alors donc, la terre, partout où vous marchez, devient un paradis. Tout comme si vous mettez des lunettes de couleur bleue, partout où vous regardez, ça devient bleu. Une fois que vous êtes conscient de votre nature, tout ce que vous voyez n'est que le reflet de cette félicité qui vous habite et qui est en toute chose omniprésente. Parce que vous êtes de nature omniprésente en toute chose. Mais comment on sait qu'on est conscient de notre nature? Concrètement, on peut savoir qu'on est... On est tous conscients à un certain niveau. Le but, c'est de devenir pleinement conscient. Et la science du yoga montre la voie vers cette prise de conscience de soi. Alors, donc, le yoga dit, au lieu de chercher à l'extérieur, regarde à l'intérieur. Alors, donc, à travers la science du yoga, à travers les exercices, à travers l'analyse, à travers la méditation, la maîtrise des émotions, du mental, tranquillement, on va verser vers l'intérieur. Et quand je dis la maîtrise du mental, c'est parce qu'au début, le mental est un petit peu difficile à calmer, parce qu'il est agité. Moi, je vous dis de ne pas arrêter le mental. Il n'est pas question de faire le vide. Si vous essayeriez de faire le vide, vous seriez en dualité avec vous-même, parce que vous êtes des êtres pensants, vous êtes faits pour penser. Vous comprenez? Vouloir faire le vide,
c'est faire une négation de vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même. Quelqu'un qui vous enseigne le vide vous place en conflit avec vous-même. Il vous fait croire à des illusions non fondées, des choses non fondées. Le but n'est pas de faire le vide, c'est d'apaiser le mental et de le nourrir de choses vertueuses qui élèvent la conscience, la prise de conscience. Et plus on devient conscient, plus on goûte ce que l'on est. Alors donc, il n'est pas question de faire le vide. Le vide est complètement une négation de soi. Si vous allez dans cette voie, vous n'aboutirez à rien. Vous allez être en conflit constant avec vous-même, sans savoir d'où vient le conflit. Il est à la source même de ce que vous essayez d'appliquer. Alors que si vous faites juste vous asseoir, apprendre à calmer le mental, tranquillement, le mental, comme un lac. Si un lac, on ne l'agite pas, si l'eau, on ne l'agite pas, on va pouvoir voir notre reflet. Le mental, si on ne l'agite pas, ça va devenir tellement clair qu'on va voir ce que l'on est. Et on ne va pas juste le voir, on va le goûter. Il y a des gens qui vont dire, je suis allé dans la forêt, j'ai marché dans la forêt, je me sentais tellement bien, tellement, jamais j'ai vécu ça, jamais j'ai vécu un moment si, j'étais bien. C'est parce que probablement qu'à ce moment-là, ils ont vécu un petit moment de calme profond qui les a amenés presque au seuil de ce qu'ils sont. Mais, quelqu'un est arrivé, c'est parti. Là, c'est mis à parler des problèmes dans l'entreprise ou des problèmes de ci, de ça. Et ça s'efface tout de suite. L'expérience vient de... Et là, de la retrouver n'est pas évident. Si on ne sait pas comment y avoir accès, dans quelle direction diriger notre esprit pour y avoir accès. Alors, donc, cette attitude de toujours constamment agiter le mental nous aide pas. Il faut apprendre à marcher dans la nature, prendre le temps de vivre, prendre le temps de respirer profondément. Toutes ces choses-là favorisent le calme de l'esprit. Et ensuite, on peut appliquer des méthodes de méditation combinées à des éléments comme aller dans la nature, méditer, des choses comme ça, qui va venir renforcer cette prise de conscience de ce que l'on est. Et plus cette conscience va devenir bien enraciné en nous, plus on va réaliser qu'on n'a jamais été autre chose que ce que l'on cherchait, le bonheur. Je vous donne un exemple sous quelle forme cet état peut se révéler comme dans une éclair. C'est comme dans une fraction de seconde, le 10 000ème de la pointe d'un cheveu, vous pouvez avoir une perception de votre nature. Prenez les jeunes qui font ils se promènent en bicycle dans les montagnes, là, des bicycles de montagne. Ils descendent la montagne, puis là, ils manquent de se casser le cou. Mais là, ils vont recommencer, tant qu'ils n'ont pas cassé le cou. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en bas, là, ils ont rencontré toutes sortes de bosses, toutes sortes de choses dangereuses, mettant leur vie en danger. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne pensent pas à leur copine, ils ne pensent pas à leur compte de téléphone, ils ne pensent à rien, 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 sauf être présent. Ils sont concentrés comme un yogi dans sa méditation. Ils sont très concentrés. Et là, quand ils arrivent en bas, toutes les tensions relâchent. Et là, ils rentrent quelques secondes dans cet état de félicité. Et là, ils disent « Ah, j'ai pogné un rail! » Là, ils recommencent, puis là, il faut que la connaître soit plus grande. Quand ils ont fait 3-4 fois, ils sont habitués, ils connaissent les dangers. Fait que là, ils vont se lancer des défis encore plus grands parce qu'il faut que la concentration réatteint à peu près ce même niveau-là pour que l'expérience soit vécue encore. Mais là, il commence à s'habituer avec le trajet. Il sait qu'il est capable. Il n'y a plus de challenge. Alors, il va lancer le défi encore plus haut. Et là, quand il arrive en bas, il dit « Ah, je vais venir, je vais assez tard. » Mais ça ne dure pas longtemps. Puis le danger de se blesser est plus grand que le « high » qu'il va avoir. Alors, donc, parce que le danger de se blesser, c'est qu'il peut rester handicapé le reste de ses jours pour un accident grave. Alors que le yogi plonge dans ses états sans être obligé de se casser le cou. Il s'assoit sur un bon tapis. C'est pour ça que souvent vous voyez des images de rien, le yogi assis sur un tapis volant. C'est très symbolique, ça, là. Ça veut tout dire.
Quand il s'assoit sur son tapis, il plonge en lui-même. Et là, il va atteindre ce que les jeunes appellent les haies. Les haies de la conscience. Et là, il plonge en lui-même, retrouve cette communion intime avec lui-même. Et à force de goûter à cette expérience, il est capable de se lever de son tapis, marcher et la garder avec lui. Comme si je mets un parfum ici sur ma main, je vais marcher partout et le parfum va me suivre. Le parfum, je l'ai appliqué ici, mais je ne l'ai pas perdu en cours de route. Alors donc, quand un yogi médite, il s'assoit et médite, c'est comme s'il parfumait son être. Et quand il se lève, il est parfumé. Il est imprégné de cette calme qui va grandir à chaque jour en lui. Et c'est pour ça qu'ils ont, les yogis ont la discipline de méditer régulièrement et de calmer l'esprit avec différentes méthodes, soit des chants, soit des respirations. Alors donc, de cette façon-là, le calme s'installe en eux, ils peuvent se lever de leur tapis, marcher, aller partout et garder cette conscience. C'est comme le jeune garçon qui descend la montagne avec son bicycle, qui demande de se casser le cou. Si vous lui diriez, le high que tu as vécu quand tu étais arrivé en bas, là, si tu lâches ça, je te l'offre de le vivre à tous les jours. Si on pouvait juste lui faire voir la différence, lui faire goûter en quelques instants, il arrêterait de se jeter en bas de la montagne. Mais il ne peut pas y avoir accès, c'est pas comment. Puis lui expliquer serait beaucoup trop long parce que sa passion prend dessus, sa raison s'éclipse. Il ne peut pas comprendre. Alors donc, comment il va comprendre? Quand il va avoir vraiment blessé son corps comme il faut, puis là, il va réaliser que ça ne vaut pas tout le risque qu'il a pris pour le high qui ne dure pas assez longtemps. Mais il va comprendre que le high doit exister, mais il ne va pas abandonner de le chercher. Il va probablement, à ce moment-là, commencer à faire une prise de conscience, à chercher qui il est. Quel est le sens de la vie? Vers quoi il tend? Et quand il va commencer à s'interroger sur ces questions, sa quête commence. Quand un être commence à se poser la question, qui suis-je? D'où je viens? D'où je vais? Et quel est le sens de ma vie sur Terre? Sa quête est entamée. Donc, quand il s'implique réellement dans cette quête et qu'il met tout son cœur à la réalisation, il est condamné à être heureux. Parce qu'il est condamné à aboutir. Comme une fleur, une semence qu'on met en terre, quand elle commence à sortir, elle est condamnée à fleurir. C'est son karma. La même chose. Le moment où vous commencez votre quête, si vous êtes moindrement sérieux, vous êtes condamné à être heureux. Parce que vous êtes condamné à revenir à ce que vous êtes. Si vous voulez garder vos illusions et continuer de vivre voilé, il ne faut pas s'engager sur cette voie. Mais si vous voulez vraiment goûter le bonheur et vraiment retrouver cette harmonie avec vous-même, allez jusqu'au bout de votre quête. Cherchez toujours davantage plus loin en vous-même. Alors donc, ces enseignements-là s'adressent à des gens qui ont le désir de retrouver leur conscience originelle, qui sont fatigués de courir après toutes sortes d'illusions qui finalement n'apportent jamais sans touche à la satisfaction, la pleine satisfaction. Les gens souvent, des fois, vont croire dans les objets, acquérir les objets, vont finir par être heureux. Fait qu'ils achètent les choses de dernier cri, les dernières vidéos, les derniers écrans plasma, et ainsi de suite. Ils essaient toujours de combler comme un vide. Si les objets étaient source de bonheur, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres exposés, il suffirait de posséder un seul objet pour être heureux. Vous n'en demanderez plus, vous direz, moi je suis heureux avec ça, j'en veux plus, je suis comblé. Un seul. Si l'objet était source de bonheur, vous direz, je l'ai trouvé. Ça y est, je ne lâche plus. Mais il n'y a aucun objet qui est source de bonheur. C'est vous qui percevez l'objet, qui dites, ah, si je l'ai, ça, ce petit briquet-là, je pense que je l'ai trouvé. Il fait des fleurs. Une option. Hein? Là, vous pensez qu'en possédant l'objet,
Vous êtes en train de vous auto-illusionner. Et vous voyez qu'en possédant l'objet, vous allez plus heureux. L'objet est un outil. C'est un outil, tout simplement. L'objet m'a permis d'allumer l'encens. L'encens est un outil. Il faut apprendre à être conscient de toutes ces dimensions-là qui sont en nous. Comment on peut être détaché des choses? Les yogis, leur but, c'est d'arriver à se détacher des choses. Pas les fuir, attention. Attention, je ne veux pas dire d'aller vous cacher dans la forêt, puis tu peux regarder le monde, puis dire non, pourquoi je vois? Non, le détachement veut dire la sérénité. Le détachement, ce n'est pas quelque chose que je dis, je vais me détacher de ça. Regardez là-bas, quelque chose. Le détachement, c'est pas ça. C'est pas de, puis d'être attaché mentalement encore à l'objet. Puis, non, le détachement, c'est pas ça. Comment le détachement peut être acquis quand vous avez retrouvé l'équilibre avec vous-même, la paix avec vous-même, la sérénité avec vous-même? Vous êtes détaché de tout. Vous possédez des choses, mais vous n'êtes pas possédé par les choses. Vous comprenez? Je suis quand même venu en voiture ici, là. Vous comprenez? Mais je ne suis pas possédé par la voiture. C'est pas moi qui vais passer des heures à changer une voiture. Vous comprenez? C'est un véhicule? Ok, je suis ici maintenant. Le détachement, c'est un état d'âme. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel qu'on essaie d'atteindre. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer. Souvent, ils vont faire un gros combat avec eux-mêmes. Ils vont essayer de toutes les façons. Puis plus ils essayent, on dirait que plus ils vont fumer. C'est comme l'esprit, il n'aime pas être en contradiction. Lui, c'est comme l'ego, il dit, « Hey, ça fait des années que je te rends. Je ne veux pas commencer à me dire quoi faire. » Là, l'ego, il dit, « Ah, tu as décidé de t'arrêter aujourd'hui. Ben, attends, moi, je n'ai pas parlé encore. » Là, t'en fais une 5 de plus qu'à l'habitude. Puis plus tu essaies, plus il est dingue, plus il te convainc d'en prendre encore plus. Une dernière, une petite dernière. Tu as déjà dépassé ton quota, mais la petite dernière. Puis après, la petite dernière, ça en prend toujours une autre petite dernière, une demi-dernière. Là, ça finit pas. C'est un cercle vicieux. Le détachement ne peut pas être atteint. L'être qui vraiment prend conscience de l'effet que ça a sur lui et qui réalise à quel point c'est néfaste, parce que là, il y a de la misère à respirer. Puis là, il voit des gens dans sa famille qui meurent, causés par cela, et qui arrivent à la prise de conscience, « Je ne veux pas finir comme ça. Je me sens déjà affecté par ce que ça implique dans ma vie. » Et qui arrive au point où là, il dit, « Ça n'a pas de sens. » Là, c'est le gros bon sens qu'il sort de, qu'il libère de cette guerre. Mais quand s'il dit, « Oh, moi, j'arrête. » Là, il va arrêter 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Puis dès qu'il va être en contact avec quelqu'un qui fume, par association, il va prendre l'habitude encore. Il va retomber dans le pattern des samskaras. Les samskaras, c'est les conditionnements qu'on a tous. On a tous des conditionnements. Les yogis ont des conditionnements aussi. Les conditionnements des yogis sont tournés vers la quête de soi. Donc, tout ce qu'ils font, ils le font pour toujours prendre conscience de leur nature. Or que, sous le coup de l'illusion, le conditionnement qu'un individu peut avoir, c'est de l'enchaîner encore plus aux objets ou aux êtres qui l'entourent, ou à son ego, l'image de prestige qu'il projette. Ça, c'est l'ego. C'est des conditionnements. Les conditionnements, on en est tous victimes. Donc, celui qui a arrêté de fumer, puis qui n'a pas vraiment fait une prise de conscience, il arrête 6 mois, puis après ça, il en prend une, puis tous les conditionnements repartent. Le processus se remet en route. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il va essayer de rattraper le temps qu'il a perdu, il va fumer en double pour retourner. Comme rattraper le temps, on dirait que l'esprit est ainsi fait. Que si on le prive de force de quelque chose, quand il revient, il est encore plus rebelle. Alors, tout ça, c'est des faux renoncements.
Puis la personne qui dirait, moi je vais être un yogi renoncé, ben, je vais aller dans la forêt, puis s'en va dans la forêt, se cache dans une grotte, mais méditer, mais là il pense à tous ses problèmes. Pas renoncer. Mais celui qui vit dans la société, qui est conscient de sa nature, qui va à l'esprit libre, est un être renoncé. Il est libre partout où il va. Il ne possède personne et personne ne le possède. Il sait en lui-même qu'il sera toujours libre puisqu'il est ça. Il est libre de nature. Alors, donc, d'arriver, le renoncement, c'est une état d'âme. Et cet état d'âme-là s'acquiert par une expérience, une prise de conscience graduelle de soi. Et plus on devient conscient de ce que l'on est, plus on se détache des futilités. Et l'essentiel devient notre seule motivation. L'essentiel qui est de toujours expandre cette conscience à l'infini. Puisque la conscience est infinie, vous comprenez? Notre conscience, elle est éternelle, infinie. Si vous ne dirigez pas votre conscience vers l'absolu, vous allez la diriger dans la matière. Et croyez-moi, si chacun de vous ici, là, je vous donnais de l'argent, ok? Un bon montant d'argent, ben, vous feriez quoi avec cet argent-là? Vous prendriez l'expansion dans la matière. Un bouquet de fer ici, un bouquet de fer là, un petit hangar là, un petit chalet ici. C'est là. L'être est fait pour prendre l'expansion, tout comme une fleur, une fois qu'elle est semée, elle est faite pour aboutir. Elle est faite pour s'expandre jusqu'à l'éclosion totale. L'être est fait pour, comme la fleur, s'épanouir. Il est de nature fait pour s'épanouir. Mais si l'être ne prend pas conscience de sa nature, il va essayer de s'épanouir dans la matière. Et là, il va rencontrer beaucoup, beaucoup de défis et beaucoup de déceptions. Parce que souvent, les gens, le fruit des déceptions, c'est quoi? C'est qu'on veut voir les choses comme on le projette. On a des fantasmes mentaux. On a des fantasmes. Là, on projette nos fantasmes sur le monde. Là, quand ça ne fit pas avec notre lunette, là, on est en colère. Ah hein? Oh, non! Pas encore! Oh non! Pas lui encore! J'aurais dit de ne pas faire ça de même. Parce que là, dans notre tête, qu'est-ce qui arrive? On a fait tout un schéma préfabriqué. Là, on croit là, dans notre. On est le seul à croire. On est le seul dans notre univers, dans notre conscience, à croire que ça va marcher comme ça. Puis là, quand ça, on arrive pour appliquer ça, c'est comme. C'est pas applicable. Là, on rencontre toutes sortes de difficultés. Oh non, pas ça. Oh ça, j'avais pas prévu ça. Ah ben maudit! Moi, ça entend quand il fait ça. Là, ça y est, vous êtes en dualité. Vous êtes en conflit avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous projetez vos fantasmes et vous n'arrivez pas à les réaliser parce que ce que vous pensez, puisque la vie est, c'est de. Pardon, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le courant. Vous adaptez. Suivre les cours. Vous adaptez. Et là, la rivière va aller son cours. Mais si vous commencez à vouloir changer le monde, changer les choses, avant de vous changer vous-même, hein, vous êtes votre premier ennemi sur Terre. Il est dit dans les Védas, le pire ennemi, c'est qui le pire ennemi? Le mental. Le mental. Si vous n'êtes pas ami avec votre mental, vous avez un problème. Vous n'avez pas d'amis. N'importe où vous allez aller, vous allez toujours critiquer. Si vous n'êtes pas ami avec vous-même, vous n'avez pas d'amis en ce moment. Et les amis que vous allez avoir, c'est parce que ça va plaire à votre ego. Puis ceux qui ne plairont pas à votre ego, ce ne seront pas vos amis. Alors, donc les amis que vous allez avoir, ça va être ceux qui sont à l'image de votre ego. Alors donc, le mental peut être le meilleur ami ou le pire ami. Le meilleur ami, s'il vous aide à vous réaliser, si vous l'utilisez à votre réalisation,
si vous élevez votre conscience au-delà de toutes ces dualités, de toutes ces fantasmes illusoires, et retrouvez l'harmonie, la sérénité avec vous, à ce moment-là, votre mental devient votre meilleur ami. Sinon, si vous ne travaillez pas à l'élévation de votre conscience dans ce sens-là, il est votre pire ennemi, que vous le sachiez ou non. Et croyez-moi, il n'y a pas pire ennemi que le mental. Parce que même assis sur la toilette, il est là. Lui, vous ne pouvez pas le fuir. Un ennemi, on peut se cacher. On peut arriver à le semer. Mais le mental, on ne peut pas. Puis, là, tu dis, bon, on va me payer un petit voyage au Bahamas, là, pour tirer à la plug d'ici. Puis, là, tu dis, là, c'est fini le problème, là. On sauve un peu pendant un bout. Tu arrives au Bahamas, sous le bord de la plage. Le mental est encore là. Ouais, je n'ai pas payé ça. Je n'ai pas fait ça. On voudrait que j'appelle. Oh non, le business va-tu marcher? Je ne suis pas là. Ça ne peut pas marcher si je suis pas là. Là, c'est le mental. Il vous suit, lui. Alors donc, votre meilleur ami ou votre pire ami? Et comment on fait pour éduquer un voyou? On lui donne des méthodes. On lui explique le sens. On lui fait voir la valeur fondée. Et là, le petit voyou, il devient plus sage. Et, avec le temps, il gagne en sérénité. Il est moins rebelle, il est plus obéissant, et il prend plaisir à obéir parce qu'il sait qu'il en tire beaucoup plus grand profit qu'à toujours être le rebelle. Donc, la plus grande illusion, c'est de croire qu'on est maître. Qu'on est maître. Hein? Là, il y a des livres qui sortent sur le marché, le secret, le secret du bonheur, le cible. On essaie de vous faire croire que vous êtes maître de votre vie. Ah oui, je vais vous en lancer un défi, moi, si vous êtes maître. Je vais vous expliquer une chose. Si vous étiez maître de votre vie, iriez-vous travailler? Mangeriez-vous constamment à dépenser de l'argent pour manger? Oui. Iriez-vous vous asseoir sur la toilette, perdre du temps là? Passeriez-vous du temps à essayer de vous faire belle ou vous faire beau parce qu'un rire vient de pousser? Si vous étiez maître de votre vie, tout ça, vous l'éviteriez. Vous n'êtes pas mal. Vous êtes soumis aux lois de la nature. Vous êtes mu par les lois de la nature. Alors, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est un maudit sauvage, c'est un maudit. Il a fait ça parce que... » Non, la nature l'a peut-être poussé à faire ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a comme karma, cette personne-là. Vous ne savez pas. Moi, si y a un arbre qui vient pour tomber sur la bâtisse, puis je sais que c'est dangereux, il se peut que je pousse madame pour sauver ma vie par instinct, pas parce que je veux lui faire mal. Et là, ils vont dire, ah, il l'a poussé, il a cassé le cou en la poussant. Et là, il y a l'arbre, il tombait, mon instinct, moi, comme l'instinct de survie, puis par accident, j'ai blessé madame. C'était pas volontaire, c'était pas du tout mon intention. Alors, donc, la nature agit sur nous. Mais dans notre illusion, on croit qu'on est maître de notre vie. Dis-moi, là. Je contrôle ma vie. Je suis maître de ma vie. Tu ne me diras pas ce que j'ai à faire, OK? Non, non. Non, essaye pas de me dire ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis assez vieux, là. Hein? J'ai plus 16 ans, là. Je sais ce que j'ai à faire. Ça, c'est le comportement. L'ego. Ça, c'est comme la personne qui arrive dans un endroit et dit, moi, là, je suis boss de l'entreprise. J'ai 300 employés sous ma direction. Moi, là, il faut que ça rentre dans le business. Puis quand je rentre, là, les gars se placent à leur poste, puis je check, puis je veille à ce que tout le monde soit là, puis que ça marche, puis dans le business, pour que ça rapporte. Là, la personne qui est boss comme ça, puis qui s'auto-illusionne, il croit qu'il est maître de l'entreprise, que sans lui, ça marche pas. Là, il arrive dans l'entreprise, un matin, il choque après un employé, ça y est, une attaque de cœur tombe au sol. Il revient plus jamais dans l'entreprise.
Lui qui était boss, lui qui était supposément maître, il était maître de quoi? Je me demande, c'est des illusions. Maître de rien, il était maître juste de ses illusions. Vous comprenez? Alors, donc, le but du yoga, c'est tout de recultiver notre conscience avec une vision et une perception juste de ce qu'est la vie, de ce que nous sommes. Et en ayant une vision juste et équilibrée de ce que nous sommes, finis les visites de le psychologue, finis les médicaments antidépresseurs, finis les médicaments pour dormir, finis les anxiétés. Tout ça, là, vous venez de régler. Le stress, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que vous venez de régler à la source, la cause de tous vos problèmes, qui est votre perception. Perception erronée, monde erroné. Perception juste, monde juste. Il y a des gens qui pensent que le monde devrait être juste à l'extérieur, mais ça commence par vous. Voyez, il y a tellement de choses insensées dans ce monde. Les gens là s'acharnent à vouloir sauver la planète. On sauve la planète, on fait plus de sac de plastique, plus de caoutchouc. L'autre fois, je vois un reportage. Il y avait un monsieur qui avait eu une balle de baseball. Il ne savait pas quoi faire. Il a mis sur Internet, il a demandé aux gens s'il la donnait au temple de la renommée du baseball, ou s'il n'était pas plutôt. Il proposait au coup de l'envoyer dans l'espace. On fait tout pour sauver ici, puis il ne va aller pas lever l'espace. Voyez-vous le non-sens? C'est plein de non-sens comme ça dans notre société. Il y a des gens qui font des efforts, puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui. Attends, le premier effort que vous devriez faire avant de sauver la planète, là, sauvez votre âme. Prenez conscience de ce que vous êtes. Si vous êtes conscient de votre nature, vous êtes une bénédiction pour la planète, tout comme les saints et les anges qui ont passé ici avant. Jésus est un saint. Vous m'envoyez au divin. Tous les rishis, les sanges, Mahomet, appelé comme Bouddha, tous ces êtres sont venus pour le bien de l'humanité. Tous ces êtres ont envoyé un message d'amour. Ont envoyé le message de « Hey, wake up! Éveille-toi, mon ami! » C'est ce que ces êtres sont venus nous enseigner à travers leur passe-temps, à travers leur vie. Bouddha est venu vous montrer, regarde, je vous montre comment faire un wake-up. Il a montré, il ne parlait même pas de religion. Bouddha ne parlait pas de religion parce qu'il ne voulait pas que les gens disent rien, tu fais juste parler et tu ne fais rien. Regarde. Méditez, vous avez réalisé. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Si tu t'aimes vraiment, tu vas être capable de vivre. Il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même d'abord, puis que tu aies retrouvé la conscience originelle de ce que tu es pour pouvoir le voir dans l'autre. Si tu es en guerre avec toi-même, ça va être dur de ne pas l'être avec ton prochain. Mais si tu es en paix avec toi-même, même si ton prochain fait des non-sens, tu vas dire, désolé, gars, c'est ton choix, c'est toi qui fais la note, pas moi, c'est toi qui fais les gars. Moi, je te dis, gars, tu peux faire comme ça. Ça va peut-être être un peu mieux pour toi. Essaye. Si tu veux pas, ok. Moi, ça ne m'implique rien. Vous comprenez? Comme là, je suis ici, je vous donne un exposé. Si vous faites, c'est vous qui en bénéficiez. Si vous ne faites pas, c'est vous qui décidez. Mais moi, que vous faites ou que vous ne fassiez pas, ça ne change rien. Demain, je vais continuer. Moi, la fusée est bon. Vers cette quête de l'absolu, avec ou sans vous. La porte d'autobus est ouverte. On part dans 5 minutes. Prête, pas prête, prendre l'autre autobus. Si peut-être tes bagages sont pas prêts, c'est correct. T'en veux pas pour ça. Mais là, nous autres, on peut pas se permettre d'attendre. Il faut partir, il faut arriver à l'heure. Vous comprenez? La vie, c'est comme une chandelle. Une
chandelle, vous avez tant de cire, ok? Qui constitue la chandelle. Vous avez la flamme, ok? La flamme constitue votre âme. La cire, votre corps. Mais moi, là, avec ma chandelle, là, si je veux partir de Saint-Césaire, me rendre à Granby, là, que ma chandelle est calculée, que je peux me rendre à Granby avec. Mais il ne faut pas que je fasse de détours. Si je fais des détours, je n'aurai pas de cire pour me rendre. Fait que je vais tomber dans le noir une fois que je vais même avant. Fait que ma cire, qui est mon corps, je ne veux pas la gaspiller à des radotages, à des pertes de temps, à critiquer un, à critiquer l'autre, à chercher une bébête chez un et chez l'autre, à vouloir changer le monde. Non. Je prends conscience de ce que je suis. Et si ça bénéficie aux autres, je suis heureux de le partager. Mais ma cire, je ne veux pas la gaspiller. Elle est précieuse, c'est tout ce que j'ai là. Le temps est compté dans cette carcasse-là. Je ne vais pas gaspiller ce temps précieux que j'ai, qui ne reviendra plus. Alors, dites-vous que vous avez tant de cire et vous avez tous assez de cire pour atteindre l'absolu, si vous ne gaspillez pas. Mais si vous arrivez au terme de votre vie, vous êtes dans votre lit mourant, et là, vous dites, ah, je voudrais commencer le yoga, trop tard. Tu n'as pas assez de cire, tu ne te rendras pas. Prochaine vie, prochain corps. Vous comprenez? Par contre, si vous dites là, aujourd'hui, je commence quelque chose. Ce n'est pas obligé d'être gros, mais un petit quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vais commencer par marcher régulièrement, prendre du temps pour moi. Assis, sentir le soleil sur mon corps. Écouter la brise, contempler la lune, je commence à prendre du temps pour moi. Première chose, ça n'a pas besoin d'être des exercices du non, ça passe. Commencez par juste faire un arrêt. Après ça, entreprenez un processus qui va cultiver de nouveaux conditionnements. Parce que pour enlever un mauvais conditionnement, il faut en cultiver un meilleur. Et là, si vous enlevez un mauvais conditionnement, vous n'avez rien dedans, que vous allez faire, vous allez reprendre ce que vous avez annoncé, parce que vous ne connaissez pas autre chose. Mais si vous dites, OK, mauvais conditionnement, bon conditionnement, ah ben, j'ai cultivé les bons. Mais à un moment donné, les bons vont dominer les mauvais. Et les mauvais vont dire, hey, on n'a plus de place, on ne peut plus rester. On s'en va. Ils vont s'en aller demain. Ils ne reviendront plus jamais, ils ne verront plus jamais. Parce que les nouveaux vont avoir pris le dessus. Comme si vous avez de l'eau sale dans un verre. Vous faites couler de l'eau constamment, la saleté va sortir. L'eau représente les bons conditionnements qui fait sortir les mauvais conditionnements. Alors donc, il s'agit juste de prendre une bonne habitude de vie, bien s'alimenter, faire des exercices, prendre du temps pour soi, faire de la lecture de biographie ou de livres qui inspirent notre conscience à cette quête de soi, cette prise de conscience de soi. Alors donc, dans cette recherche, vous mettez les éléments favorables et votre conscience tranquillement va se changer en quelque chose de plus divin. Vous allez passer de l'être humain, on passe de trois niveaux. On passe de l'animal à l'être humain. De l'être humain à l'être divin. De l'être humain à l'être divin, le travail est un petit peu plus ardu que de l'animal à l'être humain. Parce que souvent, de l'animal à l'être humain, c'est pas trop bien, mais de l'être humain à l'être divin, ça demande une implication sérieuse. C'est pas juste moral, au niveau social, mais avec soi-même. Dire, OK, là maintenant, là, ça fait. T'as assez dormi. Là, je me parle. Hein? Wake up. Hey, regarde. Hey, t'as pas vu comment c'est beau la vie? Tu besoin d'aller au Walmart, ben puis c'est ça. Les teintes, les couleurs. Tu sais, j'ai-tu besoin de prendre une pilule pour sentir que c'est ah, ben non, c'est déjà là. C'est beau, c'est extatique. Regardez comment vous pouvez vivre des highs sans même en être pleinement conscient. Vous arrivez devant quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Hein?
Là, vous êtes content, le cœur palpite, vous avez même des vaches, vous sentez quasiment que vous allez vous évanouir tellement que les retrouvailles sont bonnes. Vivez un high. Mais tout ça, c'est en vous déjà. C'est juste une question de faire la prise de conscience. Mais on le vit comme des petits flashs. Ça passe vite, mais on n'arrive pas à l'attraper. On ne tire pas dessus. On le regarde passer, comme des mouches à feu. Avez-vous déjà essayé de suivre une mouche à feu dans le bois? Quand elle éteint, là, vous la cherchez en mot russe. Quand elle allume, elle est déjà dans du loin. Ah donc, ne cherchez pas des mouches à feu. Cherchez la vraie lumière du soi, qui, elle, est toujours la lumière. Jamais elle ne connaît de fin. Ah donc, par cette prise de conscience, vous êtes assuré d'atteindre le bonheur. Puisque vous êtes là. C'est juste que la conscience est un petit peu voilée, un petit peu de poussière, qui empêche d'en prendre conscience pleinement. C'est comme les gens, anciennement, des fois, ils pensaient que, parce qu'il y avait des nuages devant le soleil, que le soleil avait disparu. Là, vous pensez, parce qu'il y a des nuages devant votre conscience, que votre conscience a complètement disparu. Alors, ce qu'il y a, est-ce qu'il y a mon bonheur? Est-ce que je vais être trouvé dans quoi? Dans quelle position sociale? Puis ça vient. Hey, je suis dans la police encore. Hein? Puis toi, ça va-tu bien, toi, ta job? Ouais! Ah, ben moi, ça va. Hein? Ils m'ont donné un grade, là, dernièrement. Lâchez ça, c'est une illusion, on ne veut pas t'en parler. OK, si vous avez la vie, OK. Faites ce qui doit être fait avec la vie, mais allez pas au-delà de la vie. Vous comprenez? Respectez ce que la vie représente, mais allez pas au-delà. Soyez conscient de votre nature en tout temps, peu importe le vêtement que vous portez. Même quand vous faites belle, même quand vous faites beau, n'oubliez pas que c'est l'âme, on ne l'habille pas avec des vêtements. L'âme, on ne la maquille pas avec du make-up. L'âme, on la nourrit de choses profondes. On la nourrit d'éveil, de prise de conscience de soi. L'âme, c'est avec ça. Et si vous êtes rayonnant intérieurement, le make-up, là, tout ça, vous n'avez pas besoin. Ça va tomber, vous allez shiner. Les gens vont vous voir, on dit, hey, as-tu mis du make-up? T'as l'impression que tes yeux qui brillent. Il n'y a pas de make-up, c'est le vrai soi qui se manifeste dans toute sa gloire, qui dit, hey, me voici, j'ai retrouvé, j'ai reconquéri. Ce que j'avais perdu, le territoire perdu, le terrain perdu, j'ai reconquéri ma nature. Et là, ça change. Comme un conquérant qui vient de gagner une bataille. Les grandes batailles, c'est avec vous-même. Mais pas avec violence. Faites-le avec amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Faites pas avec violence avec vous-même, parce que votre prochain, c'est vous-même aussi. Gentil, mais pas trop de gentillesse parce que j'aime ça. Hein? Okay. Un peu de gentillesse, puis de temps en temps, hey! Un peu de fermeté. Alors, il ne faut être ni trop mou, ni trop ferme. Trop ferme, vous allez vous décourager. Vous allez dire, hey, je suis plein de bleu, je ne suis plus capable de masser. Par contre, si vous êtes trop gentil, on va dire, ah, ben là, on va s'allonger, on va manger du pop-corn, puis on va aller, on va faire la pâte molle. Non, un peu de fermeté, un peu de. Tu sais, ni trop mou, ni trop ferme. Mais bien équilibré. Mais comment vous allez faire pour garder cet enthousiasme? Parce que souvent, quand on va à des exposés comme ça, on sort, ça fait, ça. On arrive deux, trois jours après, on commence à nous mettre. Bon élan. Hein, moi, je me souviens quand j'ai rencontré mon maître, Yogari, quand j'étais en sa présence, là, je ne vous mens pas, je ne dormais pas la nuit. Il était dans la pièce au côté, il dormait. Lui, il aimante tellement, il chante tellement,
que je n'arrivais pas à dormir. Je dormais. Quand je suis dans sa présence, là, c'est gros. Hein. Tu n'as même pas à méditer. Juste la présence. Là. C'est comme. Tu n'as pas besoin de descendre une montagne en baissée. Tu n'as pas pendant ça. C'est tellement intense. Mais là, après, quand tu t'en tournes, tu restes sur l'écho pendant un petit bout. Puis après ça, ça commence à faire. Là, tu descends tranquillement. Après ça, c'est à peine si tu as la force pour retourner le voir, parce que là, tu es quand même debout. Là, quand tu retournes, c'est oh, j'aurais dû venir avant. Bon, comment on fait pour maintenir l'enthousiasme maintenant? Quelqu'un veut me donner des trucs? J'en ai pas. J'aimerais ça comment on donne. En faisant des jambes de pied, comme si tu fais en venant, en venant sur le sourcil. La constance dans les pratiques, la constance, la persévérance. N'ayez pas peur de vous risquer. Vous voyez, vous avez déjà toutes les réponses, pourquoi vous ne le faites pas? Hein? L'association, Madame vient de dire s'associer. Effectivement, l'association, dans le yoga, on appelle ça satsanga. Ce qu'on fait là, c'est une satsanga. Satsanga, c'est sat veut dire connaissance. Sangha, association. L'association des sages. Satsanga est indispensable. Pourquoi? Parce qu'elle nous infuse d'une enthousiasme. Et la satsanga est indispensable tant que, comme un oiseau, nos ailes ne sont pas bien formées pour qu'on puisse vraiment voler de nous-mêmes. Puis même quand un oiseau vole de lui-même, qui a quitté son nid, des fois il aime ça revenir auprès de sa mère. Je ne veux pas dire qu'il va coller au temps, parce qu'il est moins dépendant, mais il va revenir. Moi, je vois les oiseaux sur le terrain de la maison, l'été, ils sortent du nid, ils rentrent dans le nid le soir avec la mère. Le jour, la mère se promène, elle leur donne des larmes. Ils se promènent toute la journée, elle les nourrit. Là, le soir, ils retournent dans le nid. Mais à un moment donné, ils partent. Mais l'année suivante, oh, il y a un peu plus de ces oiseaux-là. Probablement, c'est la progéniture qui est venue s'installer tout près. Il n'est plus dans le même nid, mais il a pris un appartement pas loin. Ah, donc, satsanga est indispensable. Satsanga nous infuse de cette connaissance. Par l'association, on acquiert les qualités. Moi, je ne suis pas devenu ce que je suis en train de vous exposer sans m'associer avec des sages, des sadhus, des yogis. Si je n'avais pas fait ça, je ne pourrais pas vous parler de ça. Je vous parlerais de quoi? Les dernières voitures, les derniers cris aussi. Hein? Alors donc, je me suis associé avec des yogis et je suis devenu ceux avec qui je m'associe. C'est pour ça que le proverbe dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. » Là, ça a plus de sens. Alors donc, l'association est indispensable pour cultiver notre esprit, développer les attitudes, développer les vertus nécessaires. Ensuite de ça, monsieur a dit la fermeté, la discipline dans le cœur. Ça prend une certaine discipline. Si mon maître m'avait dit regarde, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, puis j'aurais rien fait, bien, je ne serais pas arrivé avec ça. Vous comprenez? Mais là, je ne vous demande pas de faire ça. Alors, donc, ça prend une certaine discipline, comme dans n'importe quel domaine. C'est une discipline de se lever et aller travailler. Mais le salaire que vous avez n'est rien comparé à ce que vous récolterez en prenant conscience de votre nature. Hein? Le salaire que vous allez faire dans une entreprise ou à votre travail, comparé aux milliards de prises de conscience que vous allez faire en vous-même, c'est rien le salaire que vous recevez au travail. Alors donc, la discipline est très enrichissante. Donc, et aussi, faute d'association directe physique avec un sadhu ou un yogi, vous pouvez lire des sujets sur des biographies de yogi ou des sujets sur le yoga, ou des... dans ce sens-là. Alors, donc, dans la culture du yoga, on dit « guru, sadhu, shastra ».
Guru, la mère spirituelle. C'est où les sages, les gens qui pensent, sont dans cette mentalité, dans cette culture-là. Et Shastra les écrit. Pardon. Ce qui nous aide, c'est s'associer avec un maître, ou une personne nous guidant sur la voie, s'associer avec des gens qui sont sur la voie, échanger en vous autres, et lire les Shastras qui sont les différents écrits qui vous permettent de retrouver cette conscience de vous-même. Vous comprenez? Ça, c'est les trois piliers de la réalisation. Et si vous allez dans un cours de yoga et vous voulez savoir si ce que vous recevez est authentique, demandez ces trois piliers. Demandez à la personne qui est ton maître. Qui sont ceux qui soutiennent l'enseignement que tu donnes? Et quels sont les écrits où je peux aller voir ceux qui disent si c'est fondé? Ces trois piliers-là sont indispensables pour notre développement, mais aussi pour notre compréhension de l'environnement dans lequel on peut se trouver quand on va suivre un cours de quelque chose. On s'assure que ce qu'on va recevoir, ce n'est pas spéculé, mais que c'est vraiment fondé. Et ici, quand je vous parle de yoga, moi je vous parle d'une tradition millénaire, transmise de maître à disciple. Donc, une fois que vous avez pris conscience de votre nature, réellement conscience de votre nature, à ce moment-là, votre gourou, c'est le soi qui est en vous. Mais avant ça, c'est votre gourou, mais il est un petit peu, c'est comme un gourou, c'est pas trop ce qui s'en va. Vous comprenez? Gourou, attention, le mot gourou, là, ça peut faire peur. Gourou veut dire quoi? Destruction des mensonges. Pardon? Destruction des mensonges. Le gourou, c'est celui qui détruit les ténèbres de notre ignorance. C'est ça, un gourou. C'est pas ce que vous voyez à la télévision, un gars qui se suicide avec du monde en collectivité. C'est pas ça, un gourou. Les gens ne savent même pas c'est quoi un gourou, parce qu'ils utilisent ça à toutes les sources. Dès que quelqu'un a le pouvoir d'hypnotiser dans une salle ou quoi que ce soit, un gourou. Là, ils se sont tués, ils se sont suicidés, pouf, et ils sont mis des. Non, gourou, c'est celui qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Mais le gourou ne peut rien faire pour vous si vous ne faites rien. Le gourou ou le guide, le précepteur, j'aime mieux le mot précepteur, ça sonne mieux. Le précepteur, c'est celui qui vous y garde. Le trésor est là. Il est à tant de pieds. Je te donne un pic, une pelle, une masse, tout ce que tu as besoin. De l'eau, parce que ça va en soi. Creuse, il est là. Je donne les outils. Attends pas qu'il creuse à la place. Hein? Donc, le précepteur, lui, peut vous donner des connaissances, mais il ne peut pas réaliser votre place. Il ne peut pas faire à votre place. Croyez-moi, si je pouvais faire à votre place, là, ce serait votre dernière journée ici, puis notre dernière rencontre peut-être. J'aurais juste à passer, vous toucher, pouf, 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 ça allumerait comme des parfums. Mais c'est pas facile comme ça. Comment dire, t'as pas de miracle. Non, le miracle, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez provoquer ce miracle-là. Par votre quête. En vous impliquant dans votre quête, vous allez créer ce miracle-là. Le gourou, lui, ou le précepteur vous donne les outils pour avoir accès à ce miracle-là. On ne peut pas le faire à votre place. Ah, donc, ça prend un désir sincère de vouloir se veiller à sa nature. Ah, donc, c'est le rôle du précepteur, c'est ça. Ah, donc, tout comme le rôle de la mère d'un oisillon, quand il est jeune, c'est de lui mettre des petits vernis en bouche. Quand il est rendu adulte, elle ne suit pas partout pour lui donner sa nourriture. Là. Vous comprenez? Il n'y avait plus de logique dans la nature. Donc, le guide, le précepteur, c'est comme il vous met les verres dans la bouche pendant un petit bout. Peut-être pas ce que vous aimeriez manger. Il vous met les petits verres dans la bouche pendant un petit bout. Là, quand vous êtes assez fort, vos ailes sont bien formées, là, vous voyez vous-même. Mais vous avez toujours du plaisir à rencontrer le précepteur, parce que le respect est là. Moi, je ne pourrai jamais, en cette vie-même et même en des milliers de vies, remercier adéquatement mon premier maître sur mon vie. Je n'ai jamais assez de vie pour le remercier. Il a changé complètement ma vie. J'étais dans une impasse quand je suis arrivé au livre. Le
était dans un esprit suicidaire. J'étais au désespoir. Moi, je voyais pas je voyais rien de très brillant dans ce monde-là. Je voyais que, oups, je sens que la vie va être dure. J'arrivais sur le marché du travail, puis je pensais que moi, t'arrives dans une entreprise, ça va être l'esprit de famille. Hein? Quand tu es en groupe, c'est l'esprit de famille. Moi, dans ma tête, c'était automatique, groupe, esprit de famille. Là, t'arrives dans une entreprise, ça fait pas trois jours que tu es là, tu es tout de suite pas dans le décor. Déjà, on ne veut plus, déjà, on te rejette. Mais bravo, donnez-moi une chance, aidez-moi. Une personne t'aide, puis il faudrait que tu sois bon, beau, fin, intelligent, performant. Puis si t'as pas ça, regarde, on n'a pas besoin de toi. Et c'est dur ça. Moi j'étais trop idéaliste. Moi je fais beau. J'ai des boudins partout. C'est quasiment ça que je pensais. Mais là, c'était dur. C'était dur. Puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu même mettre fin à ma vie. Si ça n'avait pas été Swami Vishnu, j'aurais pas été ici aujourd'hui, vous en parler. Je voulais mourir, pourquoi? Parce que je ne voyais pas d'issue à la souffrance dans ce monde-là. Moi-même, j'étais malheureux, je ne voyais pas d'issue à ma propre condition souffrante. Et en plus de ça, le monde ne m'en donnait pas d'exemple. Reluisant. C'est comme, tu sens que la vie va être longue, puis Dieu va juste un peu, tu commences. Là, c'est comme, je suis sombré dans un désespoir. Un soir, je suis tombé à genoux dans la maison, j'ai cassé toute la vaisselle qui est dans la maison. J'ai cassé toutes les choses qui me tombaient sous la main. Et là, je suis tombé dans un désespoir, mon âme. Et là, j'ai dit, Seigneur, viens me chercher, j'en peux plus. J'en peux plus. Des fois, quand j'arrivais de travailler, je m'amusais à faire son monde de planche. Je commençais à me conditionner, je pensais à des trucs, tout ça. Puis je souffrais terriblement. C'est dur à décrire comment on peut autant souffrir qu'être heureux. Je brûlais dans mon corps. C'est comme quelqu'un qui est pris d'une passion amoureuse. Hein? Imaginez-vous quand vous étiez jeune, le feu brûlant de l'amour. Mais là, c'était un feu d'enfer que j'ai eu intérieurement, une souffrance terrible. Et là, après avoir prié, j'ai dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas de signe, je m'en viens te rejoindre. Prépare-toi parce que moi, je reste blessé. Et là, à un moment donné, je suis rentré dans une librairie. J'ai trouvé un livre de yoga, Swami Vishnu. C'est comme... La providence a fait que j'ai tombé sur le livre d'un maître, non pas un livre juste de yoga comme ça. Le premier livre, un maître de yoga. J'ai encore le livre. Ce livre-là a tout allumé. Là, dans le livre, je trouvais des postures que je prenais quand je me couchais. Je reconnaissais des attitudes que j'avais déjà dans mon insu. Là, c'est comme ça a fait. Hein. Là, je me suis dit, OK. Avant de mettre fin à mes jours, j'ai essayé le yoga. C'était comme ma dernière espoir. Si le yoga fonctionne, ok. Si le yoga ne fonctionne pas, je m'en vais. Je peux venir m'intéresser. Si j'avais plus beaucoup de vie. Donc, quand vous avez perdu, ceux qui se suicident, là, généralement, ceux qui en arrivent au suicide, c'est parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien de bon en ce moment. Mais ils n'ont pas compris qu'il y a la félicité en eux. C'est la douleur. Hein? C'est la douleur qu'ils sentent. C'est qu'ils réalisent, c'est comme si du jour au lendemain, vous vous levez, vous réalisez, hey, ça n'a pas de sens. Mais là, c'est tellement évident que vous n'avez plus envie de jouer le jeu. Là. C'est trop évident. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au Barbie avec vos enfants, et c'est dur de faire comme eux autres, d'être au même niveau que eux autres, même si vous essayez. Puis il y a un point, c'est comme le jeu, là, t'as plus envie de jouer. Et ceux qui se suicident, c'est qu'ils arrivent à une prise de conscience que le jeu, là, il est sans espoir, il est sans appel. Et là, quand ils arrivent à cette prise de conscience-là, ils sont plus capables de vivre dans le corps, parce que là, ils vont se dans toute leur vie. Ils ne voient pas d'espoir, ils ne voient rien. Fait
La seule alternative qu'ils ont pour mettre fin à leur condition de souffrance, c'est le suicide. Moi, heureusement, par la grâce de mon maître, il est arrivé comme dans le bon temps, où là, il y avait une alternative qui se proposait à moi. Garde, tu peux devenir conscient de ta nature. Ta nature est sage, pleine conscience, pleine félicité éternelle. Mais là, c'est sûr, tu ne veux pas ça du jour au lendemain. Mais tu dis, il doit savoir de quoi il parle. C'est un maître, il vient de lignée millénaire. C'est fondé, le yoga s'est reconnu comme une discipline millénaire. Là, la logique avec laquelle exposer les choses, elle, c'est sûr qu'il y a quoi là-dedans. Même si je ne le vois pas tout de suite, j'embarque. J'embarque dans le bateau. Tu sais, des fois, on embarque dans le bateau, on voudrait être rendu avant que le bateau décolle. Mais tu sais que quand tu es dans le bateau, tu vas y aller, c'est sûr. Bon, ça prendra le temps qu'il faut, il faut juste être patient. Et là, j'ai commencé à travailler à ma carrière. Si j'ai fait ça, ça, c'est à la hauteur de ce que je souffrais. Je me suis contorsionné comme ça, pas pour donner un show, là. J'en avais rien à faire de donner un show, j'avais pas d'intérêt à rien de ça. Là. J'ai fait ça parce que là, c'était wake up. Wake up ou mentir. Et par la grâce de mon maître, j'ai fini par comprendre que le yoga était ma porte de sortie, ma porte d'entrée. C'est là que j'ai pris conscience de toute la grâce. Et encore aujourd'hui, j'en verse des larmes. Quand je vois le monde en souffrance autour de moi et que je vois le monde complètement dérouté sur le sens des valeurs de la vie, puis perdre le sens, je vous assure, je verse des larmes à chaque fois que je pense à mon maître. Et je m'incline au sol. Parce que si ça n'avait pas été lui, et des fois, je me demande encore, pourquoi moi? On se sent privilégié, je vous assure. On se dit en soi-même, pourquoi moi? Il y a tant de milliers de personnes. Pourquoi moi, je vis ça? Et pas d'autres. Et c'est là qu'on réalise. Si moi, je suis heureux, c'est par sa grâce. Maintenant, il m'a transmis un trésor, un joyau. Hein, il m'a donné une richesse. Je ne peux pas la garder juste pour moi. Tout comme lui, s'il l'avait gardée juste pour lui, moi, je ne pourrais pas être ici. Il l'a partagé. Il l'a reçu de son maître. Il l'a transmis. Et moi, je fais la même chose. Je partage cette richesse qui est infinie, qui n'est pas de limite. Vous comprenez? Et c'est ça l'amour des sages. Et c'est ça l'amour des rishis, des yogis. Leur amour pour l'humanité dépasse notre entendement et notre compréhension. Les gens, des fois, vont penser qu'un yogi dans une grotte ne fait rien. Il fait beaucoup plus pour l'humanité que tous les politiciens peuvent faire ou tous les bons organismes pour sauver la planète. Pourquoi? Parce qu'ils sont là comme la veilleuse de la conscience humaine. Ils protègent les valeurs. Ils sont là en train de protéger les valeurs morales, spirituelles. Ces sages-là qui sont dans des grottes ou qui sont dans des temples, dans des monastères, ils sont là pour protéger les valeurs. Si vous regardez en ce moment en Birmanie, il y a une impasse dans la société. Qui est sorti? Les moines. Ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas juste des gens de la société, c'est les moines qui sont la conscience de l'humanité. Là, c'est trop. Puis les moines, pour qu'ils sortent, il faut que la motivation soit bonne, parce que c'est des êtres renoncés qui sont capables de vivre avec très simplement. Mais quand les moines sont obligés de sortir, c'est parce que là, tu dépasses tes rêves. Vous comprenez? Quand la Chine a envahi le Tibet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose qu'ils ont fait, ils ont attaqué les moines. Ils ont essayé de déraciner la culture, la lumière de l'humanité, pour être capables d'exploiter. Parce que quand un être est éveillé dans un endroit où des êtres qui veulent dominer, des êtres avides, ignorants veulent dominer, quand un être est éveillé dans un seul endroit, ça peut faire obstacle au plan malsain de ces êtres. Donc, en l'éliminant, on peut prendre le contrôle. Et c'est pour ça que les Chinois, quand ils ont envahi le Tibet, ils ont tué des milliers de moines. Ils ont commis des
des atrocités que je n'ose pas même vous parler parce que c'est inhumain, ça dépasse l'entendement. Alors, ces sages, ces rishis, tous ces yogis, ces êtres, travaillent au bien de l'humanité, sont les gardiens de la conscience humaine. Ils sont les gardiens des valeurs profondes de l'être. Et ils l'ont fait de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Et même dans les sociétés modernes, ça ne s'arrête pas. Il n'y a rien qui fait obstacle à cette conscience. Il y a des gens qui pensent que le yoga, c'est fait que pour les hindous. C'est juste en Inde qui pratique ça. C'est pas vrai. Je ne serai pas ici. J'ai une vie sociale comme chacun de vous. Je me lève, je vais travailler comme tout le monde. Mais la conscience dans laquelle je me rends au travail n'est pas la même que j'avais quand j'étais jeune. Et c'est cette rencontre aujourd'hui a pour but de vous partager ces valeurs-là. Et si en vous peut s'éveiller le désir de retrouver cette communion avec vous-même, j'en suis le premier, le plus heureux. Et dites-vous que je partage cette joie avec vous. Et bien au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Vous comprenez? Ma joie est beaucoup plus grande que vous pouvez vous imaginer. Parce que vous allez vivre proportionnellement à ce que vous faites de cheminement. Un jour, j'étais avec mon maître, et mon maître m'a dit, tu sais, t'es très fortuné qu'on soit assis ensemble. Très fortuné. Je ne réalisais pas aujourd'hui, je le réalise de plus en plus. Cette richesse, elle devient de plus en plus concrète à mes yeux. Il m'a dit, tu sais, tu es très fortuné. Il dit, moi je le sais, mais toi tu le sais. Aujourd'hui, je commence à en prendre conscience, mais je ne sais pas jusqu'où. Parce que encore aujourd'hui, ça continue, ça s'expande. On va s'arrêter sur ça. Là,